Salut YouTube et bienvenue sur Tour des Filles hebdomadaire, le calendrier de, hebdomadaire journalier, pardon, c'est tous les jours à 11h sur la chaîne YouTube, le calendrier de l'avant Phasmophobia. Comme tu peux le voir, on est au défi numéro 9. Si jamais t'as loupé les défis précédents, t'as le lien de la playlist dans la description. Le chat est chaud puisqu'en fait, dès que je meurs ou que je me trompe de fantôme, eh ben, on fait gagner un giveaway dans le chat. Si toi aussi tu veux participer, il faut que tu sois là le soir à partir de 22h et t'as le lien du Twitch aussi dans la description. En ce moment, c'est des défis assez simples. C'est des défis aléatoires. Il y a du difficile, du facile, il y a un peu de tout. En ce moment, c'est des défis assez simples à la suite. Et donc, j'ai quand même un peu peur qu'on se tape tous les défis difficiles d'un coup à la fin. Mais bon, écoute, on va voir aujourd'hui, si le défi est dur, on est du coup sur une game en pro avec les objets tier 3. Oh bon, ça va. Alors, ça va, attention, parce que évidemment, tous les défis sont sur des maps aléatoires, donc ça peut toujours nous troller l'aléatoire. Mais écoute, je trouve qu'il y a pire, donc on va vraiment prendre cher, je pense, durant les prochains jours. YouTube, on est parti. Let's go, baby. Game en pro. Alors, attends, j'ai pas mis pro, je vais mettre pro. Alors, c'est défi le plus simple du calendrier. Hein. On est parti. Oh là. Ah ouais, oh non, c'est dur. Oh, c'est dur, là. Ah ouais. Oh, je sais pas si on va y arriver. Et après, imaginez, on tombe sur un démon, on meurt instantanément. Alors, je tiens à dire que Mamanovic avait pré-shot la Willow. Hein. Je tiens à dire. Je tiens à le dire. Mamanovic avait pré-shot la Willow. Ce boss. Ah ouais, là, c'est dur. Hein. Non, mais vous inquiétez pas, il y a du karma. Plus les défis sont simples maintenant, plus je vais me faire karmater la gueule après. Et je vous rappelle qu'on en fait deux aujourd'hui. Alors toi, YouTube, tu les verras pas à la suite. Hein. Mais on en fait deux parce que je suis off demain. Donc il faut qu'on enregistre à l'avance celui de demain. Quoi. Alors. Attendez, je monte mon son. Voilà. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? On va aller remettre le courant, on a l'os. Alors le but c'est de trouver le fantôme, hein. On n'a pas besoin de faire la game parfaite. Putain. Ah. Ok, GG à ceux qui avaient piffé une petite map. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Là, il est là, ok. Il est là. On va chercher le reste du matos. Oh putain, une game en pro. En fait, je vous explique comment j'ai fait le truc. Quand j'ai fait ma liste des défis, j'ai fait... en fait, j'ai fait une game sur deux et une game, on va dire, sans défi. Donc, t'avais game en pro, tier 1, tier 2, tier 3. Game en cauchemar, tier 1, tier 2, tier 3. Game sans preuve, tier 1, tier 2, tier 3. Et entre chaque défi, j'ai mis un espace et j'ai mis un défi que j'ai créé moi. Ou alors qu'on fait souvent, tu vois. Et ensuite, j'ai tout mélangé. Donc, je crois qu'on a déjà eu la game en pro. C'est un EMF5, ça? Tier 1, donc il doit rester la game en pro tier 2 dans la rotation. Un truc comme ça. C'est quoi cette nouvelle emote que vous avez, la Misha? Marqué 2023 dessus. Enfin, pas emote, le badge. Oui, oui, non, mais vous inquiétez pas. Je sais que vous voulez me voir mourir, mais bon. Ça arrivera, vous inquiétez pas. Si, si, je les ai fait aléatoires. Où êtes-vous? Ah, tu vois, il l'a acheté sur mon EMF. C'est un Raiju. Il aime pas les équipements électroniques. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Jumeau Esprit Spectre. Ah, bah, des bisous. Putain, ça va être la vidéo YouTube. Non mais attendez, je peux pas monétiser si c'est en dessous de 8 minutes. Il va falloir que je fasse traîner. Ah, oh, j'ai plus de sprint. Oui, au final, c'est une game de chauffe, oui, parce qu'on a pas fait de game de chauffe YouTube. Donc c'est vrai qu'au final, c'est une game de chauffe, ouais. Ok. Bah du coup, on va jouer le jeu, on va mettre l'épreuve, mais en vrai, avec le sel, déjà, on pourrait... Jette un objet électronique en l'air, s'il le renvoie, c'est un Raiju. Ça, ce serait stylé, t'imagines? Le truc te fait un smash avec le MF. Ma map préférée, c'est la Tanglewood.
Putain, il m'a fait peur. Bon bah c'est d'autres sous... D'autres sous écriture. Probablement les dots, non? Ça met deux plombes. Allez, mets-nous les dots. Mets-nous les dots, là, j'ai envie de les prendre en photo. Mets-nous les dots. Ah d'accord, Bon, on va aller chercher du sel, hein, ça ira plus vite. Oui, c'est quoi le petit badge, du coup? Le badge 2023, j'ai pas vu la réponse. Petit John Cena, bah écoute, on verra. La map préférée parce que tout le monde la Tanglewood. Bah c'est qu'il y a une raison. Hein. Là, en vrai, Willow, Tanglewood. Hein. Après, j'aime bien toutes les petites maps. J'aime bien toutes les maps sauf l'école, en vrai. Parce que l'école, je trouve qu'elle a pas de saveur, elle est pas fun. Puis c'est la map la plus dure. Je trouve qu'elle est dure, mais de manière un peu stupide. C'est dommage parce que si... Ah non. Bon, il fait pas grand chose là. Hein. Ça peut pas être un mimique. Pour l'instant, on a que la spirit. Faut que je me calme. Hein, parce que ça se trouve, moi, je vais trop vite, tu vois. Bon, j'ai rien dit. On a le MF, c'est sûr. Ok. C'est un badge qui est dispo pour tous. Un badge qui est dispo pour tous. Ah, c'est la rétrospective. Comment tu vas, Tetsuya? D'accord. Ah bah moi je vais pas l'avoir, je fais pas partie des membres les plus actifs. En tant que streamer peut-être, mais pas en tant que chatter. Alors. Ouais, c'est les dots. Généralement il écrit quand même assez vite. Hein. Ah oui! Ah dommage, j'avais pas l'appareil photo en main. Bon bah c'est un spectre. C'est un spectrus. Qui vient de se TP d'ailleurs, je crois, non? L'appareil photo... Je l'ai mis où? Qu'est-ce qu'il fait, là? Oh, calme-toi! Appareil photo... Il doit pas être là. Bon, bah écoute... Ah, il est là. J'aimerais bien prendre les dots en photo, là. Les petits dots en photo... Wow, mais oh! Il a essayé de me tuer! Vous avez vu? Il a essayé de me tuer. Interaction 2, putain, mais on voit le fantôme, là. Enfoiré. Allez, c'est juste pour faire durer un peu la game, parce que sinon, bon. Mets les dots, s'il te plaît. Je veux la photo. Il a dû prendre le marteau en priorité, en fait. C'est vrai que les dots c'était plus loin que le marteau. Donc au final, la pri... Ah putain, la priorité des... D'ailleurs, tu peux tester, t'as pas besoin de capteur, tu peux tester le spectre avec les dots d'ailleurs. Parce qu'en fait, maintenant les dots, c'est la position du fantôme, la vraie position du fantôme. Donc si tu vois les dots qui marchent sur le sel, et qui marchent pas dans le sel, c'est un spectre. Eh ouais. Et il y a même des fois où tu peux trouver le fantôme avec les dots... Parce que des fois, quand tu le vois dans les dots, il marche plus vite qu'un fantôme lambda. Et donc tu peux des fois deviner sa vitesse avec ça. Putain, tu m'as fait peur, oh. T'as fait clignoter les lampes en claquant des subs, Sibis. Merci beaucoup. Allez. Allez, je veux juste la photo des dots, c'est pas grand chose, t'es un spectre. T'es censé être autour de moi, tu vois. Donc je suis censé voir les dots... assez facilement. Faut pas que je lise le chat. Sinon on s'en fout. Non. Je suis une quiche. Bon bah fuck. Tant pis. Tant pis. Allez go. Petit spectre des familles.
Un petit spectre de femme. Écoute, le défi était normal, quoi. Lorraine, la quiche, voilà, exactement. Une bonne quiche Lorraine, c'est vrai que c'est très bon une quiche Lorraine en plus. Petit spectre des familles, mesdames et messieurs. J'ai bien mis spectre, ouais. Bah écoute, le défi numéro 9 est validé. YouTube. Sans trop, je pense, de problème, à moins qu'on soit fait mind game, mais non, non, c'est bien un spectre, tout va bien. Voilà, donc nous, évidemment, on va tourner l'épisode 10, et je pense que c'est là qu'on va se faire karmater. Et toi, si tu vois cette vidéo le jour où elle est sortie, bah, t'attends demain 11h, et tu verras le numéro 10. YouTube, je te fais des gros bisous, et n'hésite pas évidemment à nous rejoindre sur Twitch, à claquer ta Oli. Et puis voilà, au prochain épisode, des bisous.